Comment passer du rêve à l'action, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te faire un partage très pratique. J'aimerais te parler de ton passage à l'action. Parce que beaucoup de gens passent leur temps à rêver, beaucoup de gens passent leur temps à imaginer et à se dire « si je faisais ça, je serais ceci, je serais cela et j'aurais ceci. Si je faisais ceci, si j'étais là-bas, si je quittais ma femme, si je quittais mon copain, si je faisais ceci, si je voyageais, si je commençais enfin ce business, waouh, le résultat sera ça. » Mais si on reste que sur des « si », on oublie de se connecter au « ici », « ici et maintenant » parce que c'est là où ça se passe pour concrétiser tes rêves. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie. Et mon but, mon intention, c'est de t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Bien sûr, cela va te demander de te libérer du regard des autres, destination soi-même, de te connecter à toi-même en t'acceptant pleinement pour pouvoir mieux avancer sur ton chemin. Donc si tu veux que je t'accompagne sur ce chemin, abonne-toi pour recevoir mes vidéos régulières, quasi quotidiennes. Donc c'est parti. Comment passer du rêve à la réalité ? Eh bien, le pont du rêve à la réalité, ce n'est pas une surprise, mais je vais quand même te le dire, c'est le passage à l'action. Parce que si la rêverie, le pourcentage de rêverie prend tellement de place que tu n'as même plus de place pour le passage à l'action, il y a un problème. Parce que si tu, et bien sûr, si tu souhaites concrétiser tes objectifs, que ce soit sportif, que ce soit même de bien-être, que ce soit professionnel, dans ta mission de vie, vraiment t'accomplir, gagner pleinement ta vie avec ce que tu aimes, bah, il va falloir y mettre du tien, il va falloir y mettre des actions, il va falloir y mettre du cœur, oui, de la rêverie, oui, mais pas que, de l'action. Vraiment concrétiser le pont entre les pensées qui sont des sources de création. Chaque pensée a le potentiel de se matérialiser dans la vie. Mais comme je viens de te le dire, c'est un potentiel. C'est-à-dire que chaque pensée aussi ne peut juste rester qu'une rêverie parce que tout simplement, tu n'es pas passé à l'action pour la matérialiser dans ta vie. Donc ne sous-estime pas la puissance des petits rituels, des petites actions que tu peux mettre en place dans ton quotidien. Que ce soit 5, 10 minutes, un quart d'heure ou plus, dans tous les cas, au moment où tu avances chaque jour, au moment où tu rames dans ton bateau pour aller de l'avant chaque jour, eh ben, toutes tes rêveries, toutes tes bonnes intentions, toutes tes pensées positives vont commencer à se matérialiser dans la réalité. Parce que ce n'est pas suffisant juste d'imaginer et de rêver. Au bout d'un moment, il faut le pont entre le rêve et la réalité. Et bien sûr, ce pont, c'est à toi de le traverser. Et c'est là où le challenge peut venir. Parce que entre notre vision idéale qu'on veut, par exemple, d'être un entrepreneur qui gagne pleinement sa vie, qui fait ce qu'il aime chaque jour. Et entre ton quotidien aujourd'hui, ici et maintenant, il peut y avoir déjà un grand écart, mais ça peut augmenter ta motivation. Mais il peut surtout y avoir entre les deux des obstacles, des challenges, des difficultés qui vont te demander de trouver des solutions, qui vont te demander de la réflexion, qui vont te demander d'avoir la foi aussi, de te connecter à cette énergie qui te dit « Tu vas le faire, tu peux y arriver, même si maintenant je ne sais pas exactement comment je vais y arriver, je crois au fait que je vais y arriver et de continuer à y croire. » Alors oui, bien sûr, ça c'est l'intérieur, y croire c'est important. Mais si tu associes la croyance positive en tes rêves avec le passage à l'action, et ben là tu as un cocktail de malade, tu as un cocktail super magique qui va pleinement augmenter tes chances de matérialiser tes rêves. Donc n'oublie pas que tu es le seul à pouvoir décider et t'engager pleinement en passant à l'action jour après jour vers ce qui compte vraiment pour toi. Tu es capable de le faire. Il te faut juste trouver une raison, un motif assez grand, assez fort qui fait résonner ton cœur et qui te donne envie justement de faire ce travail. Parce que même si tu t'imagines, même si tu te visualises, il y aura des obstacles du quotidien, il y aura des challenges. Et pour que tu puisses persévérer malgré les challenges, malgré les difficultés, malgré les obstacles, ça sera justement à toi de t'engager chaque jour et de t'imprégner pleinement dans le processus, dans le flow du moment présent, dans le flow de la joie de faire quelque chose qui t'anime et de surtout de remplir jour après jour des petits sentiments d'accomplissement parce que c'est ces petites victoires qui vont s'accumuler,
qui vont se construire et qui vont te motiver, non pas juste à rêver, non pas juste à imaginer, non pas juste à lire un livre qui parle de ton rêve, non pas juste à parler des gens qui ont réalisé ton rêve. Tout cela, c'est très bien. Non pas juste à te créer un environnement qui va favoriser ton rêve. Tout cela, c'est très bien. Mais à agir un peu plus chaque jour pour directement construire ce rêve. J'espère que cette vidéo t'a inspiré à passer à l'action un peu plus dans ton quotidien, ne serait-ce qu'une fois par jour, pour que ton rêve se réalise pas après pas. Si cette vidéo t'a plu, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes sur Destination sur soi-même, la chaîne qui t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. J'étais ravi de te partager cette vidéo. J'espère qu'elle va en inspirer quelques-uns à enfin se lancer, parce que il ne faut pas attendre d'être prêt pour se lancer. C'est en se lançant que tu vas devenir prêt. Allez, sur ce, je te laisse sur ces belles paroles. Si tu veux me suivre sur Instagram, c'est dans la description de la vidéo, tout est en bas. Pour mes prestations de coaching, si tu veux que je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure, à révéler ta créativité et à la partager avec le monde, tu me contactes également par email dans le lien de la description où tu as mes prestations de coaching. Et puis voilà, abonne-toi et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et n'hésite pas à liker, like, je te remercie d'avance, ça va m'aider à faire diffuser mes vidéos au plus grand nombre. Je te remercie, ciao.